Hello la chaîne des box, c'est Gracie qui prend le contrôle de la chaîne pour vous présenter la box du mois de mars de chez My Crazy Box. Je vais d'abord vous présenter My Crazy Box pour ceux qui ne connaissent pas. Donc My Crazy Box, c'est une box beauté uniquement, make-up uniquement, qui vous propose de découvrir 4 à 5 produits en full size de marques françaises, américaine ou encore européenne. Cette box, elle coûte 10€. Et celle de ce mois-ci a pour thème le Spring Break. Vous savez, ça vient des States. C'est le moment où les étudiants partent sur les routes du Sud pour aller profiter. C'est aussi le départ, le début du printemps qu'on célèbre avec cette box. Donc, une fois qu'on ouvre cette jolie boîte, on voit ces 5 produits. Et aussi, nous trouvons 3 petits cartons comme cela pour pouvoir justement nous aider à découvrir un peu plus les produits qui sont à l'intérieur, mais aussi à savoir comment les utiliser. Je trouve ça assez sympa de la manière dont c'est présenté. Donc, comme je vous disais, le thème, c'est donc le Spring Break. La petite explication de pourquoi. On trouve donc le Eye Paint de chez L'Oréal, qui est donc un fard à paupières crème que j'ai utilisé là sur mes yeux. Donc, cet Eye Paint, il est de couleur un peu grisé, oui, gris argenté. Il est très facile à appliquer. C'est donc un fard crème très tendance cette année. Il coûte environ 10,40€. Donc vous voyez, rien qu'avec ce premier produit, on a déjà remboursé le prix de la box, qui est hyper intéressant, je trouve. Voilà. Donc il vous permet ici, comme j'ai fait là, de faire un look un petit peu smoky, hyper brillant, hyper lumineux. C'est ce qu'on adore avec l'arrivée du printemps de toute façon. Donc je trouve ça très très malin. On a ensuite dans cette petite box le crayon Brow Drama de chez Maybelline cette fois-ci. Alors je n'ai pas pu le tester parce qu'il n'est pas du tout dans la bonne teinte, ça arrive parfois avec les box. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une cire qui va venir justement vous aider à faire quelque chose de très naturel, tout en gardant l'effet coiffé bien défini. Donc ça, c'est ce genre de crayon que moi, j'adore, qui va laisser un effet assez naturel. Ensuite, on passe au rouge à lèvres, donc le Lovely Pop, voilà, en teinte Bangkok, la 07, qui est une couleur très très rosée, mais c'est pas quelque chose qui, moi, me dérange, parce que j'adore les couleurs, et je trouve que c'est quelque chose qui va très bien à ma carnation et qui me dérange absolument pas de mettre quelque chose de très foncé au niveau des yeux et de très rosé au niveau des lèvres. Donc c'est une couleur encore une fois très fraîche. Le rouge à lèvres est très facile à appliquer, il est très doux. Voilà, je trouve très contente de tout ça. Petit bémol néanmoins, pour moi qui ai l'habitude d'utiliser des râles, je trouve qu'il n'est pas assez opaque. Voilà, il va falloir en mettre une deuxième couche. Mais en tout cas, c'est une teinte qui va tout de suite donner du peps à votre visage. Bon, ça se voit, hein, on voit que ça sur mes lèvres. C'est quelque chose que j'adore. Ensuite, et ça j'ai trouvé ça hyper drôle, donc je vous le montre, c'est l'Omni. C'est l'objet make-up non identifié. Et ça, je trouve ça hyper top comme concept du mois. C'est le mascara de chez Arc-en-Ciel. Pour parler rapidement de la marque Arc-en-Ciel, c'est une marque française développée dans les labos français et qui est cruelty free. Donc ça, on adore encore plus. Le Ciel Cabaret, c'est un mascara bleu. Oui, bleu, vous l'avez bien entendu. Pour moi, le bleu, ça me fait penser un petit peu aux années 90. Quand j'étais jeune, dans les clips, je trouvais ça trop trop cool. Puis après, c'est vrai que c'est un petit peu tombé en désuétude, mais en soi, moi, c'est quelque chose que j'adore parce que ça va à toutes les couleurs d'iris, parce que ça va à toutes les carnations. Et si on veut juste se donner un petit côté un petit peu original, une touche d'originalité, ça va rehausser le maquillage et c'est quelque chose qu'on adore. Regardez là, actuellement, c'est pas hyper choquant. Après, moi, je suis brune, je suis une vraie brune. Donc, c'est toujours quelque chose qu'on va moins voir facilement sur mes cils. Mais je trouve quand même que ça donne une petite touche, non? Vous ne trouvez pas? Donc c'était la box du mois de mars de chez My Crazy Box. C'est ça que j'aime dans ce genre de box, c'est vraiment de pouvoir découvrir des nouveaux produits et des choses que je n'aurais jamais testées, type l'eye paint, le fard à paupières crème, qui est quelque chose que j'avais, qui me faisait envie mais que je n'aurais jamais osé. Et en tout cas, on voit bien qu'on en a pour son argent, donc le rapport qualité-prix est top. 10€ pour cette box, je craque complètement. Allez, ciao!